Imaginez s'embarquer sur un voyage à l'endroit où la race humaine a commencé, à la destination d'une terre de mythes et de légendes qui remonte aux premières historiques enregistrées. Au siège d'un ancien royaume qui s'était échangé en utilisant son propre or, argent et pièces de monnaie en bronze, à une époque où la plupart du monde était encore engagé dans le troc. Bienvenue en Éthiopie. Où que vous soyez, le repérage de votre chemin à Addis Abeba ne sera pas difficile, car il est servi par la compagnie aérienne Ethiopian Airlines et 9 autres transporteurs internationaux. Que vous soyez à Addis Abeba, en transit pour une brève escale ou un long voyage, un tour de la ville n'est surtout pas raté. Addis Abeba présente aujourd'hui le visage de la modernité d'une Afrique cosmopolite, avec ses gratte-ciels de façades en miroir, des hôtels, des banques, des centres commerciaux modernes, des bâtiments publics et des monuments impressionnants pendant la journée et même plus la nuit. Les musées de la ville sont les endroits où les visiteurs peuvent en apprendre beaucoup sur la richesse, la culture et l'histoire de la nation. C'est l'une des villes d'Afrique en développement le plus rapide. Dans d'innombrables boutiques de souvenirs autour de la ville et dans le grand marché central, Mercato, vous pouvez trouver de l'artisanat, des textiles et des objets venant de tous les coins du pays. Pays aussi spacieux que la France et l'Espagne réunies, il semble que la nature a choisi l'Éthiopie comme pièce d'exposition de ses variétés entières et de ses diversités. Voyager sous le toit de l'Afrique et le froid parle des montagnes du Simène.
ici, dans le sud-est de l'Éthiopie, dans les Alpes, des montagnes du Balay, on peut ressentir la chaleur du Sahara le jour et le froid de la Sibérie la nuit. Voyager à l'un des endroits les plus bas sur la Terre, dans une dépression sous la vallée du Rift. En Éthiopie, la nature, la culture et l'histoire sont inextricablement liées. Depuis le Cap de Bonne-Espérance au cercle arctique, nulle part dans le monde n'a pas à dire sur l'histoire humaine que les déserts de l'Éthiopie. C'est seul sablonneux de la région Afar qui a présenté les eaux de 3,5 millions d'années vieux de Lucie au monde. Au long du côté de la beauté physique du pays, il y a l'incroyable diversité de ses 80 millions d'habitants, composée de plus de 85 nations, nationalités et groupes linguistiques. Lorsque vous voyagez à travers le pays, vous pourriez bien recevoir un accueil dans l'un des 200 dialectes. L'amharique est la langue de travail du pays, mais dans les diverses villes et villages à travers l'Éthiopie, l'anglais, l'arabe, le français et l'italien sont également parlés. Pour le visiteur, l'exploration des mosaïques culturelles riches du pays est un voyage passionnant. La partie sud de l'Éthiopie est une mosaïque de cultures pittoresques et coutumes de plus de 56 nations et nationalités. Sept ans plus jeune que le calendrier grégorien occidental, le calendrier julien unique de l'Éthiopie célèbre les festivals culturels et religieuses 13 mois par an. La coexistence harmonieuse entre les principales confessions religieuses est là pour voir. Les gens adorent dans les mosquées et l'église côte à côte. Puis, il y a les héros olympiques qui ont porté le drapeau de l'Éthiopie dans les stades à travers le monde. Venez et rejoignez-les. Faites les courses avec les meilleurs dans le Great Ethiopian Run, soit la grande course éthiopienne. La plus grande course africaine avec plus de 30 000 participants. L'Éthiopie est le lieu de naissance du café. Pour la plupart des Éthiopiens, la cérémonie du café traditionnel, qui remonte à 3 tournées, est la partie intégrale de la vie.
imaginez le déplacement d'un monolithe de 500 tonnes avant l'invention du système de poulies. Imaginez la représentation d'un bâtiment à plusieurs étages érigé à l'aube de l'histoire. Imaginez trouver tout cela réparti sur un seul pays. Sur les routes historiques de l'Éthiopie, votre imagination devient une réalité. Ici, dans la région du Tigray, vous pouvez déjà commencer votre voyage. L'endroit où les civilisations les plus anciennes de l'Éthiopie ont pris racine et fleuri. Le temps à Yeha, les champs de stèles d'Aksum, le palais ruiné de la reine de Saba et de nombreux autres sites historiques peuvent vous emmener dans un voyage spatial de quelques centaines de kilomètres, mais en même temps, on voyage dans le temps il y a plusieurs milliers d'années. Ici, à Sainte-Marie de Zion, à Aksum, est le lieu du dernier repos de l'Arche de l'Alliance, les tableaux originaux de Moïse. Ici, la légende, le mystère et le fait sont inextricablement liés. Ici, dans la petite ville de Hamad al-Nagash, vous pouvez entendre l'histoire qui dit comment les premiers musulmans ont reçu l'asile en Éthiopie. Il y a 800 ans, les artisans ont voulu créer une ville taillée dans la roche. De touffes, de basalte et de lave, ils ont créé l'une des merveilles du monde. La Libella. La deuxième arrêt au cours de votre parcours historique en Éthiopie, d'un témoignage de foi sur pierre. Ici, les anciens châteaux racontent la gloire passée des rois célèbres. Et dessins nous parlent à travers les siècles. Ceci est Gondar, votre troisième destination historique. We'll be right back.
Voilà l'essence même du mythe et de légende. Une ville avec 97 mosquées où les hommes nourrissent les bêtes sauvages des champs. Abbas, mais elle est réelle et vous pouvez voir et expérimenter cela lorsque vous visitez l'ancienne ville fortifiée de murs et explorez la ville de Harar à l'intérieur et en dehors de ses 5 portes. The Konso cultural landscape was inscribed on UNESCO's World Heritage List. Le paysage culturel Konso est inscrit sur la liste de l'héritage mondial de l'UNESCO pendant la 35e conférence du Comité de l'héritage mondial qui s'est tenue à Paris entre le 19 et 28 juin 2011. Et le Comité de l'héritage mondial a enregistré le paysage culturel Konso sous les critères 3 et 5 pour la valeur universelle, exceptionnelle et émérite des terrasses Konso. Les terrasses expérimentales en pierre et les anciennes villes sont comprises dans le paysage culturel, mais aussi pour l'insoumission, la préservation et la conservation du paysage culturel de la tribu Konso. Le paysage culturel attirera plus de gens, plus de visiteurs et partant peut générer certains revenus par le tourisme à la communauté et aux personnes avoisinantes. Ici, les forces les plus puissantes de la géologie et de la nature sont en œuvre. Il s'agit d'un volcan actif avec un lac de lave permanent. Mais vous pouvez vous en approcher en toute sécurité. Le mystère, la puissance et la beauté de la nature sont toutes exposées ici. Voici un fleuve puissant qui entreprend un voyage souterrain. Sof Omar, un système de grottes de 15 km sculpté par la force et le pouvoir de la nature. Dans ce pays, il y a plus de 280 espèces d'animaux sauvages, y compris des espèces endémiques rares, en liberté sur quelques-unes des plus beaux paysages sur la Terre.
pouvez trouver et expérimenter toutes ces merveilles quand vous venez en Éthiopie.